que ce soit directeur sportif, entraîneur, voire même président, un peu moindre, mais c'est des joueurs avec qui j'ai joué. Donc, les relations se font beaucoup plus faciles. Si on a besoin d'avoir un jeune pour aller dans un club professionnel ou un jeune de la sélection des Guadaboy qu'on voit qui est au-dessus des autres, on peut lui tendre la main. Donc voilà un petit peu le registre que moi je pense avoir. Et par rapport à la sélection, bon, ça fait déjà un mois et demi que je travaille un petit peu sur les joueurs que m'a donné Jocelyn. La plupart des joueurs m'ont donné leur accord de principe. Le plus dur, c'est plus les clubs, parce qu'on est dans une période un petit peu où la Golden Cup, c'est au mois de juillet. Les clubs professionnels sont dans la préparation justement dans ce mois de juillet. Donc, ils sont un petit peu réticents pour lâcher un petit peu les joueurs. Donc, il y a encore deux, trois dossiers où moi, je dois gérer plus avec les clubs qu'avec les joueurs. Et donc là, je pense avoir une réponse définitive sous une quinzaine. Donc je travaille en amont avec les clubs, avec les joueurs que j'ai régulièrement par rapport à la liste que m'a donnée Jocelyn. Et comme vous avez dit, moi, voilà, je suis un compétiteur. Je viens pas avec la sélection et avec la Ligue de Guadeloupe pour les beaux yeux. Je veux qu'il y ait des résultats. Donc, les résultats, ça passe aussi pour avoir la meilleure équipe possible. Donc, ça veut dire avoir les meilleurs joueurs possibles. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé à 100%. Je pense que pour l'instant, par rapport au travail que j'ai à fournir, c'est surtout basé sur l'Hexagone. Donc, sur les joueurs qui sont dans les équipes professionnelles où je les appelle et où je peux me déplacer. Donc et après par la suite, si je dois venir vivre en Guadeloupe, tu connais la Guadeloupe, tu sais comment j'aime la Guadeloupe, donc ça sera avec plaisir de venir vivre en Guadeloupe pour aider les jeunes. Mais je peux faire les allers-retours, c'est pas un problème.